BFM Bash vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour Ferronnerie. Contact 07 07 47 37. SFM Bash, votre événement, notre engagement. La famille, c'est comment? C'est encore moi, votre ami serviteur Eric Thor. On dit quoi ici? Apparemment, il y a Tesco le Sultan qui a présenté ses excuses à Poncho le Cater. Et moi, j'en suis heureux. Vous qui encouragez son geste qu'il avait fait là, vous avez suivi son direct, non? Parce que vous ne savez pas, on peut avoir des propos, des réactions souvent qui ne vont pas à l'encontre de ce que vous désirez. Mais ça ne veut pas dire qu'on déteste le mec en fait. Voilà, c'est pas qu'on déteste le mec. Souvent, il faut mettre le mec à sa place, c'est tout. Et moi, je viens dans cette vidéo-là pour féliciter Tesco le Sultan. Et j'espère que ça va plus se répéter. Voilà, parce que toi-même, tu l'as dit, on est dans un pays de trois. N'importe qui ne peut pas s'élever pour faire quelque chose et puis ça va rester impuni. Donc, si tu as compris le message, Dieu merci. Et c'est ça aussi. Si tu es ce genre de rebelle humble, je pense que ça va t'aider dans ta carrière. Donc, famille, voilà. Même si il est en train de se détruire tout seul, je lève le mot d'ordre de destruction sur lui. Voilà. Allez, sur sa chaîne. Et écoutez sa musique. Écoutez sa musique. Parce que franchement, sans vous mentir, voilà. C'est vrai que souvent il chauffe mon cœur dans les histoires des clashs. Mais ah, le bon gars là, il chante bien. Il chante bien, 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 bien. C'est ce qu'il a pas encore compris en fait. Tant qu'il va rester dans ses clashs, on va jamais reconnaître son talent. Voilà. C'est un peu ça, Tesco. Voilà. Et je fais aussi un big up à Poncho le Gâté. Et je te prie aussi de bien recevoir l'excuse de. On va dire de. Tesco le Sultan. C'est un homme, il s'est énervé. J'espère que ça va plus se reproduire. Comme l'autre l'a dit, on ne demande pas pardon deux fois. J'espère que ça va s'arrêter là. Voilà. Deuxième chose, il y a un certain artiste. Pour ne pas dire deux artistes, il y a deux artistes qui n'ont plus la cote, qui sont plus à la mode. Malheureusement, il y a un vieux parmi et un jeune. Un vieux qui est de l'ancienne génération. Je vais parler de trucs de l'ère DJ Arafat, de Porto, DJ Misk, DJ Vara. Et un autre qui est l'ère de trucs Ariel Chiné, Safari et tout ça. L'autre, il s'est enfoncé tout seul parce que depuis qu'il a voulu se faire vendre à travers les clashs, il s'est éteint tout seul. Et il y a un autre qui a commencé à faire des vidéos à la con, à faire des clashs inutiles. Je vais parler là de DJ Mosque depuis Chololas. Voilà, voilà. Donc, famille, c'est d'eux que je veux parler. Franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous êtes assez vieux. Les mecs se sont réconciliés. Si ça vous dérange, fermez vos gueules et puis restez dans votre coin. Vous comprenez un peu, non? On n'a pas besoin de votre avis, en fait. Tant que nous, leurs fans, ça ne nous dérange pas. Vous, je pense que ça ne doit pas vous déranger aussi. Voilà, ça ne doit vraiment pas vous déranger. Ce n'est pas votre affaire. Didier Arafat et Debordo se sont réconciliés. C'est pour le bien de leurs fans. Voilà, et c'est pour le bien aussi du coupé décalé. Vous dites qu'ils sont finis, mais ils sont d'actualité que vous. Voilà, ils font plus de spectacles que vous. Et ils ont plus d'argent que vous. Ils sont plus vus que vous. Ils sont plus célèbres que vous. Voilà. Vous tentez par main entreprise de revenir sur la scène, mais ça ne marche pas. Et toi, dis-moi ce qu'au lieu de venir par la bonne porte avec ton corps à corps, tu veux venir par les clashs, mon ami. Tu verras ce qui va se passer dans ton corps à corps là. Je ne te souhaite pas le pire, mais toi-même tu verras, tu vas apprécier ton corps à corps là. Si tu veux rester dans cette lancée là, toi seul tu vas te détruire. Beto Lolas, toi tu es un très bon chanteur, je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, mais tant que tu vas rester dans ton univers de folie là, ça ne va jamais marcher pour toi. Tu vas toujours rester là à faire des spectacles de 25-30 000 dans les villages et dans la sous-région. Voilà, donc il faut te ressaisir. Tu n'as pas forcément de faire des clashs, de te faire remarquer par des clashs pour revenir, pour rebondir sur la scène musicale. Il faut te calmer. Bien au contraire, DJ Arafat et Debordo se sont réconciliés, non? Pensez à cette réconciliation-là. Réconciliez, rapprochez-vous de ces deux-là et puis essayez de construire quelque chose. Ça peut marcher. Au lieu de jouer les orgueils, les fiers. Comme quoi, c'est vous qui êtes dans la vérité et les autres dans le mensonge. C'était ma vidéo du jour. J'espère que le message est passé. Passez une très bonne journée et c'était encore moi. Ciao, ciao. Et Rito pour vous servir.